Quoi? Et ta peau, je la veux. Voilà. Sérieux là? Ah! Raté. Allez! Ah merde! Ah la vache! Il n'arrive pas! J'ai lancé du télécommandé, c'est pas les couilles. Mais non! Pourquoi tu... Oh bah, tant pis. Je sens que je vais décéder. Je m'appelle Rambo, mais quand même, faut pas exagérer. Allez! Oh, c'est pas un arbre en adamantium, ça? Et décède, pour Dieu! Et si je perds Pépèche? Voilà, ça t'apprendra! Ça t'apprendra! Putain, Pépèche. Ils ont osé faire ça à Pépèche, quoi. Oui, non, par contre, je les reprends, hein. Vu qu'ils m'auront servi strictement à Cupwick. Et je peux vous dire que je vais aller bombarder les hydravions ennemis. Mais alors, comme vous avez jamais vu des gens bombarder des bateaux ennemis. Pardon, c'est des bateaux. Et en tout cas, ça va chier des bulles. Putain, ils m'ont enlevé Pépèche, quoi. Oh, les malades. Je vais même tenter un truc. Hop là. Un peu haut. 1000$ pour faire refaire le plein de toutes les munitions. Comment tu me sors ça, toi? IRL, ça donne quoi? Ok. Pardon, c'est de ma faute. C'est étendu. Ok. Je me suis pris une méchante balle. Au passage. Ils m'ont wreck mon avion en 2-2. Why the fuck not? L'avantage, c'est que je vais pouvoir reprendre mon avion dans 3, 2, 1, voilà, et on va le marave. Et si tu me rechis dans la colle au décollage sous prétexte que, oh mon dieu, il y a du courant, je te jure qu'on va plus être copains. Thank you.
Voilà, problème résolu. Wouh. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh. Ok, pendant la mission, en fait, pendant le moment où il y a, enfin, reste la mission là, je crois que je suis beaucoup moins agile en règle générale. Une catastrophe. Bon, vu qu'on est à côté de la prison. Vu qu'on est à côté de la prison, je peux faire ça sans être emmerdé. Oui. Bon. On est à côté de la prison. Et ça part en couille au niveau de la prison. Génial. Bon, bah vous savez quoi, hein. Vous avez reçu une bénédiction, allez comprendre. En tout cas, moi, je me casse. D'accord, il faut rappuyer en fait dessus. Why not? Va vite. Ça va vite. Bon, c'est pas grave. Des arbres, non. Pas seule faiblesse. Allez, on y va. Tu la gardes ta grenade. C'est bête hein. Hop là, bonjour. Je voulais sortir ma pelle mais j'ai pas réussi. Ah c'est tout. Deux ennemis à buter. Wouah. Oh. Oh c'est le shérif Whitehouse c'est ça. Qui s'acharne sur ces murs. Mais sans succès. On se retrouve dans un sacré merdier. Je croyais que t'étais libre. T'étais emprisonné, pardon. J'aime pas ça. Le fait qu'il soit pas. Pourquoi t'as de l'écho? Pourquoi t'as un putain d'écho monstrueux? Bon, c'est pas grave. Pousse-toi, j'ai vu tes fesses dans la taille. Ah merde, j'ai pénétré tes fesses. Allez, putain, mais recharge. Merde. What? Les mecs, ils sont... balèzes, quoi. Ils en ont qu'après moi. Hein. Aussi, on peut le préciser. Ok, ça en fait deux. Fait 3. Tu sais même pas tirer. Ça va te faire foutre. Ils sont au pied du mur ouest. Ils viennent vers vous. Le mur ouest. Dommage que j'ai plus de grenades ni de dynamite. Okay. Merde, c'est pas le bon bouton. Excusez-moi. Aha. Rigoler un petit peu. Et pousse-toi. Oh. Je voulais donner un petit coup de pelle. Bah, faut savoir aussi. Putain, elle a pris cher la porte en un seul coup, quoi. Oh. Mais non, vous allez pas vous planquer. Ah bah bien, la porte est morte. Allez. Tout seul. Mais oui, tu meurs, mais tu m'étonnes que tu meurs. Mais casse-toi de devant moi aussi. Mais non. Merci, ça va aller. Aidez-moi. Mourrez pas comme des bêtes. Non mais... mais what? Comment ça, ils ont franchi les murs? Ils sont à l'intérieur! Attention, ils arrivent vers nous! Ah merde, je suis pas bon. Je suis pas bon.
Allez, recharge. Mais arrête de me dire que tu résistes à une balle, quoi. C'est pas possible. Ah, mais... Putain, mais qu'est-ce que tu fous, toi? Putain. Bah, j'ai plus de balles. Ah bah bien. Mais non mais putain. Ah si, ça c'est une méchante. Non, c'était pas une méchante. Pourquoi vous m'attaquez? Oh, oh, le respect. Le respect dans tout ça. Ah non, là il y a un bug, c'est pas possible. Pourquoi vous m'attaquez? Parce que tout à l'heure, elle s'est pas pris une balle à ma place, mais parce que j'ai tranché dans le tas. La balle a... Oh mais non, mais non. Ah bon bah, tant pis. Hein? On est submergé par les anges. Les attire. Allez. Ah oui, carrément submergé, genre. Arrêtez cette musique. Eh bah je fais ce que je peux, hein. J'ai l'impression d'être tout seul déjà. Dégage. Ah oui, ça marche pas, c'est vrai. Aide-moi. Voilà. Et qu'est-ce que tu crois que je fais? Je fais que ça. Hop là, ça c'est fait. Merci. Comment ça, 1 sur 3, mais... Comment qu'il leur faut d'explosifs pour... Une gentille ou une méchante, elle? C'est bizarre d'avoir des zombies comme ça. Hop, plus qu'un explosif. Hein. Ça va mieux, merci. Voilà. T'as plus qu'à tuer les anges qui restent. Putain, mais. Tu mets trois plombs, bah ça. Hop, désolé. Ah. Medikit! On a réussi! Voilà! Oh la vache! Oh j'en ai chié, mais alors! À un point! Bah reste au sol, t'es très bien par terre, vous m'avez pas aidé, hein. J'ai l'impression que c'est moi qui a tout fait! Mira, s'ils passent leur temps par terre aussi, je suis forcément. Toi, suis-moi! Rapporte du métal, et si t'as besoin de dégonder les portes des cellules, fais-le! Au boulot, on n'a pas beaucoup de temps! Des problèmes? Non! Des cinglés ont escaladé le mur, mais c'est bon. La porte? Je crois que c'est pas trop grave, ça va aller. Continue d'appuyer. Tu sais, je voulais prendre ma retraite l'an dernier. J'avais peur de me faire chier. Eh, vous faites les présentations ou on va rester là planté comme des connards? Langage! Oh la ferme, Virgile, pas maintenant. Je te l'ai dit, la vulgarité est un signe de... Tu ne portes pas ton insigne! Non, vous êtes perspicace? Le mec, il est outré. On est des cougars! Pas vraiment, non. Tiens, moi je porte mon insigne. Le shérif aussi porte le sien. Et le petit symbole de cougar qu'il avait. Porte... Désolé, qui est-ce? Ça, c'est l'un de mes officiers. Vous aviez pas dit que vos officiers avaient été enlevés? Non, pas celui-ci. À ce qui paraît, il mène la vie dure à ceux des Dunsgate. T'as vu ça? Vraiment? Bon, j'espère que vous aimez bosser. On n'aime pas les feignasses. T'as tellement pas le style d'un personnage à qui c'est intéressant de parler, par contre, sans vouloir être méchant, hein. C'est cool une fois qu'elle te connaît. C'est vrai pour le boulot, par contre. C'est pas ce qui manque par ici. D'accord. Il suffit de demander, c'est tout. Bah écoute, ouais, pas de content de te revoir, toi. Merci, c'est sympa, il est gentil. Ah, il est mignon.
Mais je le porterai pas. Désolé. Ok, bon. Voilà. Désolé. Autant être honnête, hein. Ok, salut, cool. Toi. Salut, toi. Ouh. Ça fait déjà un point de résistance, cool. Alors, j'aimerais aussi revenir sur un petit truc, chers amis, regardez. Je l'ai débloqué, vu qu'on a eu le let's play sur Far Cry Primal. Du coup, j'ai débloqué aussi, et je vais l'équiper. Vu que c'est plus ou moins à ça que je ressemble, entre guillemets, en termes de résistance aux dégâts. C'était une bonne idée. Tout va comme tu veux. Ouais, Imhotep, Imhotep, tu vois bien. Du coup, tu... Qu'est-ce que tu veux? J'ai 4 points à mettre, c'est pas beaucoup. Roi de la pêche. Peut-être intéressant pour le fric. Doigt de fée, confectionner des objets sabotés ou piégés prend moins de temps. Bouger plus rapidement est un gros pic, compatible avec l'arcade. Peut être pratique aussi. Pêche. Pêche qui a été endommagée. Non, je crois que le prochain truc que je vais prendre, c'est que je vais prendre le chalumeau. Ou le crochetage, mais le crochetage coûte 6, le chalumeau coûte 5. Ça fait 11 points au total, c'est pas... Très franchement, je pensais pas qu'on se reverrait. Après d'accord, sympa. Je me souviens du brouillard. Ok. D'avoir marché dans un champ. Mm-hmm. Et puis je l'ai vu. Comme tout le monde. Je l'ai vu aussi, pas vrai? Ouais, ouais. Quoi qu'elle dise, quoi qu'elle puisse promettre, elle ment. Ne t'approche pas d'elle, ou tu risques de finir comme le Marshal. Trop tard. Ça fait tout oublier. Ça te libère. Et alors? T'as juste envie de rester là à jamais. Mais tout est faux. Rien n'est vrai. Si oui, c'est le principe, quand je dis tout est faux, rien n'est vrai. Effectivement, je confirme. Encore. À nager dans un océan de grâce. Ouais, c'est bizarre quand même. Prisonnier de mon propre esprit. On me dit qu'il est... C'est de là, mon il est enlevé, et d'un seul coup, lui, il est libéré. C'est des gens bien, mais ils vont pas tenir longtemps. On doit les aider. T'énerve pas, hein. Personne ne le fera, sinon. Une dernière chose... On avait un médecin, enfin un veto, mais il fait de son mieux. Il a disparu depuis quelques heures. Merde. Je sais ni pourquoi ni comment. Essaie de le retrouver, d'accord? Pas toi qui l'as buté dans un état second. Si tu vois une femme qui vole, c'est Faith. Qui aurait imaginé que l'ancienne prison se transformerait en planque pour la résistance? T'as vu ça? Le shérif a l'air de savoir ce qu'il fait. Tracy, je la connais. Bon, vous avez fini de lire. L'avantage, c'est que moi, je peux les relire au montage. Virgile, bah, c'est Virgile. J'aime pas trop les politiques. Fais ce que tu peux pour les aider. On se tient au courant. Rentre sur moi. Rentre sur moi. Virgile, bonjour. J'ai un service à vous demander. Je t'écoute. Vous avez entendu parler d'un certain Finet? Il était pharmacien dans notre ville. Des tas de gens l'admiraient. D'accord. C'était un pilier de notre communauté, mais... En réalité, ce n'était qu'une saleté de dealer. Oh, t'es méchant, t'as avec la secte maintenant. Il a aidé à créer bon bah. La grâce. Ah, en plus. Il paraît qu'il est à la serre des Jessop. D'accord. C'était un atrium splendide avant. Mais il y a bien longtemps. Maintenant, Finet s'en sert pour son poison. Il l'a rempli avec ses fleurs. Alors je me suis dit, si vous alliez là-bas et que vous brûliez tout, je parie que Finet se pointerait immédiatement, pris de panique. Ah bah tu sais quoi, brûler de la drogue, j'adore ça. Wow, ouais. Virgile utilise wow. Cet endroit comme si c'était son QG de campagne. Virgile? Bonjour monsieur. Mademoiselle. Bonjour. Comment ça va monsieur? Eh, okay. Bonjour. Oh, un cash. Oh, oh. Donc clairement je vais avoir besoin d'une arme automatique hein. Je vais avoir besoin d'une arme automatique. Je pense que ça va être celle-là. Ou, bah, du coup, celle que j'ai là. Alors, attends, il y en a une à 7200 ici. La KMS White Tails. Qui est équivalent à. D'accord, ok, c'est. Ah non, allez. Ouais, elle fait plus de dégâts que mon arme à moi, en tout cas, c'est sûr. À 7002, ça peut être intéressant de farmer pour. Hein. Peut-être que je vais le faire. En tout cas, pour l'instant. Je vais prendre cette arme là. À la place ici. Je vais l'équiper d'un. Plus grand chargeur, effectivement. Et je vais quand même lui mettre un silencieux. Voilà. Ainsi qu'une visée réflexe classique.
Et on devrait être un peu mieux avec. Merci d'avoir frappé les convois de grâce. Les hommes de Face utilisent des camions et des bateaux pour transporter cette substance partout dans Hope County. Vous nous rendriez un fier service si vous pouviez détruire tous les autres convois que vous croiserez. Bah écoute, je fais de mon mieux déjà. Tac, pas de soucis. Ok. Puis là, je l'ai eu. Et merde. Non mais t'es sérieux là, la voiture? Putain, mais non mais... Oh. Voilà, merci. Allez, explose. Eh ben non. Voilà, là t'exploses ou pas? Ah non. Pourquoi exploserais-je? Je ne suis qu'une... On va essayer autre chose. Encore. Voilà. Voilà. Et deux, un. Wouh. Tant bien que mal. On va piller la récolte de celui-là. 5. 3. T'es sérieux quand tu me donnes ça? Ça me donnerait presque envie de le prendre. Ça commence à faire haut. On va pas se le cacher. Voilà. Hop. C'est parti. L'objectif c'est de parcourir les quelques mètres qui me restent en wingsuit et obtenir du coup le succès. Succès qui est ici, hein. Je peux même être là-dedans personnellement, voilà. Encore 1000, enfin 700 mètres pardon. Qui reste plus maintenant que... D'accord, ça va assez vite en fait. On me dit pas que ça va pas être suffisant. Allez. Non, c'est bon, ça va être suffisant. Voilà. Oh. Bah merde. Bon bah tant pis. On a vu dans mon slip. Ok, le v'là, crochetage. Ah oui, c'est long. D'accord, je croyais qu'il y avait une petite cinématique, n'importe quoi, un truc, enfin peut-être pas une cinématique, mais une animation ou un truc dans le genre. Tout ça pour 250, ah non, dollars et des lingots d'argent. Oh, je pensais pas quoi. Donc on peut avoir des lingots d'argent d'offert dans le jeu. Intéressant. Franchement, je l'aurais jamais deviné. Et j'aurais jamais pensé. Voilà, bref. Mal de gens ont disparu, d'accord. D'après ce qu'on sait. Touchez pas à la grâce. D'accord. On nous a parlé d'un endroit qui serait dirigé par un des lieutenants favoris de Face. Ok. Le genre d'endroit dont on revient pas. Torture, noyade, sacrifice. À ce qu'on raconte, c'est là que finissent tous ceux qui refusent le pèlerinage de Face. Je crois qu'on a un gros problème. Et j'ai besoin de quelqu'un pour le régler. Quelqu'un tout seul. Regardez s'il s'avère que toutes ces conneries sont bien réelles. Fais bien gaffe à toi. Oui, monsieur. Inquiétez pas, monsieur. Je veux pas de problème. Je me démerder, monsieur. Bon officier, comme d'hab, monsieur. On approche, chers amis. Donc, je viens de me penser à un truc, c'est que j'ai pas tant de munitions que ça. Donc, va falloir serrer les fesses, les doigts, tout ce qu'on peut, je pense. Hein. Mais ça va être coton. Ça va être coton. Ça va être coton.
Avant-poste de la secte. En libérant un avant-poste de la secte, vous accéderez à une nouvelle mission et de boutique. Et boutique. L'avant-poste de la secte peut avoir jusqu'à 3 alarmes. Si vous déclenchez des renforts, à ennemis arriveront. Libérer un poste sans vous faire repérer, pardon, pour gagner de l'argent. Ok, cool. Écoute. Allez, par là. Hop. J'ai de la merde. Ouais, j'ai fait de la merde, pardon. Des renforts ennemis ont été appelés. Déjà ? Comment ça se fait que les renforts soient déjà en train d'arriver ? Ok, bon bah ça va être encore plus dur que prévu. J'ai un chargeur ici. J'ai 32 balles ici. Et j'ai 6 flèches. Officier, ici Virgile. Une fois à la serre, vous devrez la nettoyer. Je vous conseille de brûler les champs de grâce. Ça devrait convaincre Finet de se montrer. Bonne chance. Oui monsieur. L'avantage par contre c'est que je devrais avoir suffisamment de couteaux. Ok, on est dedans. Jessop essayait juste d'empêcher l'inévitable. C'est la fin du monde. Inutile de se. Voyez ce que j'ai fait. Et de 1. Voyez ce que je suis à 7 secondes. Je suis spécial. Ok. Ce qui est cool, c'est qu'ils vont sans doute me fournir de quoi faire des cocktails. L'échantillon 7, 9 et 12 de cette semaine sont prêts pour analyse par le docteur Finet. Merci de tenir compte des dates des étiquettes afin de ne pas répéter ce qui s'est passé la semaine dernière. Le local devrait être propre avant son arrivée. Son expertise est irremplaçable, ses règles sont correctes, alors nous devons les respecter. C'est rare qu'il y ait du respect comme ça. Ah, c'est mon point de vue. De l'origan, bien sûr. Le mec là-bas, il est sérieux, il voit un mec à la fenêtre, il sait que c'est moi. Tant que vous pouvez vous habiller. Notre famille ne juge pas ce que vous mangez, tant que vous mangez à votre faim. Ok. Nous connaissons la vérité. Nous savons que vous êtes tous importants. Vous êtes tous intéressants. Vous êtes tous. Sur le principe, c'est. Enfin, c'est vrai que c'est pas la société qui va nous dire ça. Aïe. Allez, medikit. Forcément. Ok, on va se mettre en planque. On va les défoncer. Oh, bien joué. Bien joué. Même pas vu que je m'étais mis dans un machin comme ça. Ok. Ça fait mal.
What? Mais combien de balles tu t'es pris, bonhomme? Mais par contre, si j'ai un silencieux, les mecs, c'est pas pour que vous me... Faut que j'aille péter les alarmes, sinon ça va pas le faire. Hop là. Ok, c'est bon. Bon, ça en bougeant. Oula la vache, la souris qui est. Alors vous voyez, je suis au ralenti, mais la souris elle est au taquet. Enfin bon, on a réussi à faire ça déjà, c'est pas mal. On a récupéré le truc. Wouah! On parle même plus comment ça a commencé déjà, le mec qui m'a agressé. Enfin, le mec qui m'a repéré. Enfin bon, c'est pas grave. Par contre, ouais, mes munitions. Les mecs, soyez pas pute. J'ai vraiment besoin des munitions. Ouais, peut-être, mais bon. Allez chercher un lance-flamme là-haut. Merci. Tac. On va aller flamber les trucs, se droguer un petit coup, puis. Hop. Vous pouvez couper la flotte. Non mais t'es sérieux bonhomme avec ta flotte là? Alors où est-ce que je suis censé éteindre ça? Là. En looter un petit peu. Eh oui, ces fleurs apportent de l'espoir. Bien sûr. Et regarde, je vais t'en apporter de l'espoir. T'as du bol. Bon alors, ça crame ou ça crame pas? Oula. On a pu voir ma toge. Par contre, vous venez carrément... Au moment où j'ai pas de... Non mais... Les mecs, convention de Genève, tout ça... merde, non. Oh, je m'en bats les couilles maintenant, je vous crame. Voilà, ça fait un champ, deux champs. Lequel qui est toujours pas cramé. Putain. Le même. Toujours le même. Ah. Crame. Saleté. Monsieur, madame, bonjour. L'autre soir, j'ai exploré le labo de drogue sous le fly shop. Cœur ? J'ai entendu plein de bruits horribles qui viennent du sous-sol. Oula. Je parie qu'ils ont tout un tas d'anges enfermés là-dessous. Ok, bien. Bravo. J'aurais jamais cru... Ah bon, t'es mignon toi, mais... Bon, ici Finet. On vient d'arriver. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, mon arme! Tu crois tout savoir au sujet de la secte? Merde. T'as pas un petit... Un petit cadeau à me donner? Sortez! C'est un piège! On a perdu la serre! C'est une embuscade! Tirez-vous! Mais t'es sérieux? Mais loul! Allez! Allez! Allez!
Ah bah oui, tu m'étonnes qu'il va plus vite que moi. C'est quoi ce bordel, cette mission? Ah, il y a un couteau sur la... Dégage. Voilà. Il a fait des dégâts. Génial. Manquait plus que ça. Une brasserie. C'est de mieux en mieux, cet endroit. Il est magique. Alcool, drogue. C'est mieux en mieux. Franchement, hein. Génial. Putain! Ah, j'aurais juré avoir buté le mec. Fait chier. Si je l'avais buté, ça aurait été génial. J'aurais pu récupérer toutes les munitions, les trucs qu'il avait dans le sac. Mais non. Ici, à part là, de l'antilope. Génial. Toi! T'es mort! Merde. Ok, bon bah vous êtes tous morts. Qu'est-ce que... What? Bienvenue dans la grâce. What? Je suis mort? Je crois que je viens de faire une overdose. Ah non. Chez nous et dans nos cœurs. D'accord, de mieux en mieux, les missions s'enchaînent maintenant, sans la moindre transition, sans le moindre respect. Matoge ! Je suis cul nu, faites attention. Un lapin. Un lapin cerf. Putain, c'est un quoi ça déjà, comment ça s'appelle ? Ah, je sais plus. Ça va me revenir. Bon bah, direction... l'arbre. We're gonna have a lot of... of a tché-tché. Non, c'est pas ça. Tu vois, regarde-moi aussi, je suis en robe. Donc c'est assez facile à enlever et à remettre. Même pas besoin de l'enlever, même pas besoin de la remettre. Tu la gardes, point barre. Mouais. Nous devons être vigilants. Tu verras. Tu vas enfin comprendre. Non, je veux pas comprendre. Ce que nous avons créé. Oula, à droite. Ensemble, notre nouvel Éden. L'amour. Et ils viendront. Non. Ils voudront nous prendre ce que nous avons construit. Oui. Moi aussi, je peux te regarder dans les yeux en faisant ça. Hein. Oui. Tu nous juges. Oui. Tu juges toutes nos actions. Oui. Je te regarde droit dans les yeux, ben, y a pas de soucis. Oui, ils ont raison, tu es fou. Pourquoi le doubleur il a arrêté de parler ou presque? Tes yeux ne subissent-ils pas l'horreur? C'est ça notre monde? Oui. Bon, bah tu vois, c'est bien ce que je pensais, c'est un malade. On y résume le monde à une horreur. Des communautés qui s'entre-déchirent. Des murailles qu'on érige. Parce que nos leaders sont incapables d'agir. Trop idiots pour nous montrer le droit chemin. Dis le mec qui a foutu des putains de grillages autour du pays, hein. Enfin de son comté, hein. Je n'ai rien demandé. Mais bien sûr. J'ai été choisi. Et tu crois que je vais te croire? Non, non, me touche pas avec ton crâne. Oh, oh, oh. Nous sommes projetés vers notre destruction et personne n'est disposé à tenter de l'empêcher. Je le vois bien, et toi aussi. Et nous ne sommes pas fous. Alors que sommes-nous censés faire? Faut-il rester là, à attendre l'inévitable? Après là, c'est une vraie question. J'attendrai
Est-ce qu'on doit agir pour le bien du monde ou pas? Est-ce qu'une action unitaire, est-ce qu'une action groupée pourrait être suffisante à changer le monde? Je trouve ça un peu gros, mais bon. Malheureusement, il n'y a que dans les tragédies que les gens se rassemblent vraiment. Hein. Dans notre jardin. Ouais. Je peux te sauver. Je vais te coller une patate dans ton jardin, puis après je vais t'écraser les tomates. Non, non, je veux pas sentir. Mais pourquoi je suis obligé de sentir? Walk the path. Marche sur le chemin. Ah. Brumts. On est en train de me dire que j'ai fait 600 mètres. Tu m'as pénétré. Bref. J'ai fait 800 mètres de... Enfin, 600 mètres de... Tu nous as foutu la trouille. De quoi être pour rien. Génial. Hein. De mieux en mieux. Shérif, il y en a deux qui sont pas revenus. Les gars... Qui s'est occupé de Burke? Grady, normalement, mais... Putain, où est Grady? Ah, seigneur. Faut que tu t'allonges, Hogan. Je repasserai demain matin. Putain. Si vous vive la drogue. Trop vite, leur drogue risque de vous niquer un paquet de neurones. D'accord. Bon, bah bien, j'apprends maintenant que je peux mourir par la drogue. Génial. Wouah. Heureusement que la physique a dit... Heureusement que ma toge dit fuck à la physique, hein. Le pagne, comme dirait le Lennon. Parce que sinon... on aurait vu mes clochettes, quoi, hein, comme on dit, hein. Ah, c'est pas comme si je m'étais cassé le cul pour faire un truc et que tu m'avais littéralement dit va te faire foutre quoi. Qu'est-ce que tu me chies? Bon. Munitions, ça me coûte combien? 84. Je prends. Monsieur. Au revoir. Donc, t'es en train de me dire que... La mission c'est quoi? C'est un échec? C'est une réussite? D'accord, il est toujours là le bonhomme mais... Ok. Bon, bah allez le chercher hein. Moi je m'en bats les couilles, je vais aller le tuer ce mec. Je vais aller prendre mon hydravion et le reste. Bon, on approche, chers amis. Je vais essayer de ralentir un peu. Ok, c'est parti. Hop les, dommage, je brûle. Sinon c'était parfait. What? Que le mec est littéralement... Ah non, il y a un truc là, je suis con. Pas loin, je te trouverai. Tu crois pouvoir nous arrêter? Tu fais quoi? Bah ouais. Plus de filets, plus d'histoire de... Je crois pouvoir t'arrêter, c'est juste toi ça? Bah dis donc. Triste. Et c'est pas rien. Je suis fier de vous, officier. Et je sais que mon fils le serait tout autant. Cool, c'est gentil. C'est très gentil de ta part. Bon, on aura fait réussi. D'accord. Avantage ajouté à votre inventaire. Survivant ultime. Je vois pas ce que c'est. Avantage ajouté à votre inventaire. Qu'est-ce que c'est que ça? On se laisse là les amis, pardon, pour cet épisode. Merci d'avoir regardé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut et yo!